Ouf. Oh Seigneur, merci. Barakou min lo de ferei et se fera moura ifil mazaro fura inorei. Thank you, Jesus. We bless your name. Thank you, Father. Thank you, Lord. Voilà, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse au nom précieux, souverain de Jésus de Nazareth. On a fini le programme à Douala hier. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a ramenés dans de très bonnes conditions, je dirais dans de belles conditions. Je veux dire merci au docteur Noka Narcisse qui, depuis 2 mois, je pense aujourd'hui, a été une grande aide pour moi dans le ministère que le Seigneur m'a confié en bénissant toutes nos églises. Et je aussi dis merci à mon fils, le grand chauffeur, le chauffeur international, Armandinito, et pour sa présence régulière à mes côtés pour tous les déplacements, son infatigabilité, et voilà. Je rends grâce à Dieu pour lui. C'est une aide pour moi dans le ministère. Que Dieu te bénisse, mon chauffeur. Moi, j'imaginais que je lui ai dit qu'on prie. Il a conduit, le gars ferme les yeux. Je lui ai dit que mon frère, j'ai encore une grande destinée. Et les âmes du Seigneur ont besoin de moi. Je porte des nations sur mes épaules. Que Dieu te bénisse, fils. Oui, tu es un fils merveilleux. Donc, bien-aimé, juste pour te dire qu'après Douala, c'est le tour de Yaoundé. Ce soir, on a l'atmosphère de miracle à la bière à partir de 17h et Dieu glorifiera son nom. Et ce dimanche, ne manque sous aucun prétexte, dimanche 4 août, la main de Dieu sera grande au milieu de nous, sa fidélité aussi sera très forte. Donc, nous bénissons le Seigneur pour vous. Je bénis Dieu pour toi, je bénis Dieu pour sa grâce dans ta vie. Et pour l'occasion que tu m'accordes de partager avec toi le peu que le Seigneur m'a donné. Le bonheur d'un homme de Dieu, c'est de savoir que beaucoup de personnes sont délivrées, sont bénies, sont sauvées, rachetées à travers son ministère. Et vous êtes des dizaines, des centaines de milliers à être bénis à travers ce ministère que le Seigneur m'a donné, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout dans le monde entier. La main de Dieu agit avec puissance pour apporter la délivrance, la guérison, la restauration. À Douala, on a vu des choses à la limite horribles. Ça veut dire ce que les démons sont capables de faire, ce que le diable est capable de faire. Dans la vie des gens, tu vois quelqu'un qui vient à l'église, il est tout propre, tout beau, étant le reflet même de la représentativité. Mais cependant, quand le démon commence à malmener la personne, tu te demandes, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Et ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vécu du côté de Douala, avec le docteur Noka Narcisse, et puis des prophéties aussi qui viennent révéler les secrets des cœurs, le mal que les gens sont capables de faire à d'autres, des humains sont capables de faire à d'autres humains. D'où la question des relations aujourd'hui. C'est devenu très compliqué, mes amis. Les bonnes relations sont très compliquées. Donc, je voudrais juste t'encourager à aimer Jésus, à servir le Seigneur Jésus-Christ. Sur cette terre, je vous assure, il n'y a rien d'autre.
que Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus important que Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix pour vous et pour moi. Ça dit, ne pas croire en Jésus, c'est une grosse perte pour vous, ici-bas et dans l'éternité aussi. La Bible explique clairement que c'est au nom de Jésus que nous sommes sauvés. Par son sacrifice sur la croix, nous avons été rachetés. Et donc, ça fait que tout homme sur terre qui croit en Jésus-Christ met son éternité à l'abri. Ça veut dire qu'il a su ce lendemain. Parce que la vérité, c'est qu'après la mort, il y a une vie. Après la mort, chacun de nous comparaîtra devant le tribunal. La connexion te lâche en plein direct, c'est terrible. On est en Afrique. Donc, bien-aimé, s'il te plaît, n'oublie pas l'éternité. Nous voyageons tous les jours. Ma voiture est ma deuxième maison. Ça veut dire que je passe plus de temps dans la voiture que dans ma propre maison. Parce que la voiture, pour moi, comme je le dis souvent, n'est pas un luxe. C'est un outil de travail. Vous savez, quand vous faites le travail que je fais et que vous devez toujours voyager entre les villes et des villes très très éloignées, parfois à plus de 400 km, 200, 300 km, et que vous le faites presque chaque jour, alors à partir de ce moment-là, la voiture, ce n'est pas un luxe. Vous trouvez des voitures qui peuvent résister, qui peuvent être à la hauteur de la demande et du ministère que vous portez. Donc ce n'est pas un luxe pour moi, les voitures, c'est des outils de travail. Donc, pourquoi est-ce que je fais toutes ces choses-là? Parce que je veux rassurer, je veux assurer mon lendemain, ma mort. Je veux mourir dans de bonnes conditions. Je ne veux pas rater mon éternité. Donc c'est important, mes amis. Il faut comprendre qu'après la vie, il y a une autre vie. Après la vie commence la vraie vie. Donc, mettez Dieu au centre de votre existence. N'oubliez pas Dieu sur cette terre. Jésus a dit clairement que si quelqu'un a honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui devant Dieu et les saints anges au jour du jugement. Et si quelqu'un me confesse devant les hommes sur terre, je le confesserai aussi devant mon Dieu. Je n'aurai pas honte de lui. Donc, s'il vous plaît, qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne jouez pas avec votre vie. Faites attention à comment vous vivez sur cette terre. Parce qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu. Je vois l'apôtre Patrick Anna, mon fils. Il faut passer à la maison. Il faut passer à 18h. Passe à la maison, fils. Que Dieu te bénisse. Donc, bien-aimé, mettons une emphase sur notre éternité. Mets de l'emphase sur ta vie. Crains Dieu. Sanctifie-toi. Bats-toi autant que possible se fait pour craindre Dieu. Pour être à son image et à sa ressemblance, ça sera bien pour toi après ta mort. Tu peux rater ta naissance, mais ne rate jamais ta mort. Tu peux rater ta naissance, ne rate pas ta mort. Ça, je le dis avec insistance. Donc, quand nous vous invitons au culte, il y a des gens qui disent, oh non, je vais aller demain ou après demain, etc. Et tu te rends compte que tu ne viens jamais. Parce que le diable ne peut pas accepter que tu aimes Dieu. Le diable n'acceptera jamais que tu es où tu seras sauvé. Parfois même, ce sont ces églises-là où ton salut est, où ta solution est. Le diable vient, comme il est rusé, parce que la Bible dit qu'il est très rusé. Souvenez-vous ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Le diable vient et il te montre un faux rêve sur l'homme de Dieu. Tu rêves que l'homme de Dieu a les cornets sur sa tête. Après, tu te réveilles, le diable te dit que ça veut dire que c'est un sorcier. Pourtant, c'est le diable qui est sorcier. Et il t'empêche, après tu te dis, ah non, c'est mauvaise église, je n'irai pas là-bas. Pourtant, tu es tombé dans les ruses du diable. Tu vois un homme de Dieu, Dieu te met à cœur d'aller dans son église, c'est là que le diable sort un prophète satanique, diabolique, qui va te dire que c'est un sectaire, c'est une secte. L'homme là, c'est un sorcier. Maintenant, pour la question à la personne, la sorcellerie, là, il pratique ça où? Ça se fait comment? Ça se fait comment? Et si tu as été témoin de cette sorcellerie, la personne te dira non. Et si tu peux aller me montrer où il pratique la sorcellerie, la personne sera incapable de te montrer. Mais le diable va te mettre ces choses-là, ces idées préconçues, ces idées anathèmes dans ton esprit pour t'empêcher d'aller dans cette église-là. Parce qu'il sait que c'est là-bas que ton salut se trouve. Si tu pars là-bas, tu seras délivré. Combien de personnes ne vont pas à l'église? Parce que le diable a utilisé des gens autour d'eux pour dire que non, c'est un sorcier, l'homme de Dieu là, c'est un faux prophète, c'est un sorcier. Tout ce qu'on fait là, c'est le faux. Moi, je dis souvent aux gens qui font les commentaires en disant que non, les prophéties là, c'est le montage. Et non, ça, c'est le cinéma, c'est du théâtre et tout ça, des pièces théâtrales. Je pense que vous n'agissez pas bien, sincèrement. C'est pas comme ça qu'on fait.
Normalement, tu viens dans cette église. Viens. Tu doutes de mon ministère prophétique. Je t'invite à l'un de mes programmes. Viens. Viens au culte. Tu viens pendant que je rends au ministère. Viens à l'église. Et dis au protocole que... Dites au prophète que je ne crois pas en ce qu'il fait là. Je veux aussi voir ça dans ma vie. On va te faire venir devant et je vais te parler par l'Esprit de Jésus. Comme ça, ça t'aidera. Tu seras convaincu. Parce que tu comprendras ce que tu ne comprenais pas. Le Seigneur t'aidera. Donc c'est un peu cela. Tu viens. Viens quand même, tu vérifies sur place. Hein? Tu viens sur place et puis voilà. Donc combien de personnes, leurs destinées ont été détruites à cause de ces choses-là? Les on-dit, les oui-dit, les calomnies, on raconte des choses sur votre vie, etc., etc., chez les hommes de Dieu, et ça t'empêche de donner ta vie à Christ. Donc, bien-aimé, s'il te plaît, ne joue pas avec ta foi, ne joue pas avec Dieu. L'Église n'est pas ton ennemi. L'Église est une institution divine pour t'apporter non seulement la vie éternelle, mais aussi une vie victorieuse sur cette terre. Donc ceux qui croient en Dieu, ce n'est pas des fous, comme certaines personnes pensent. C'est plutôt des sages. Nous sommes des sages, mes amis. Alors que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, au nom de Jésus. Rendez-vous, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, rendez-vous ce dimanche 4 août. C'est le premier culte du mois d'août. Ne manque pas. L'église est située à Yaoundé, à la Bille. À partir de 8h, nous lançons le culte. C'est vers Kouaban. Quand vous arrivez au Carrefour Kouaban, demandez simplement qu'on vous amène à la Bille. On vous continuera là-bas et Dieu fera le reste. Viens tout simplement, quel que soit ton cas, ta situation, viens. Et tu verras, la faveur de Dieu sera dans ta vie. Le Seigneur va fermer la bouche de nos ennemis. Il est fidèle, notre Dieu. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas vous amuser avec ceux qui sont à Douala. Le programme n'est pas fini. Ça continue ce dimanche à 16h à Dogbon. La clôture, c'est dimanche à 16h. Donc, je voulais dire à tous les habitants de Douala de ne pas manquer. Soyons très nombreux de ce côté-là. Et Dieu se glorifiera à Bertoshi. On a un grand culte à partir de 8h. Et ainsi que dans toutes les villes où nous sommes, Gaoundéré, Garoua, partout. Les cultes à village aussi. Les cultes, voilà. Les cultes le matin. La main de Dieu est puissante. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ne manque sous aucun prétexte. La fidélité de l'Éternel sera ton bouclier. Donc, dimanche, si je veux que tu ne manques pas. Et pour tous mes enfants qui sont en ligne, s'il vous plaît, soyez très très nombreux. Partagez la vidéo. Partagez les cultes. La gloire de Dieu sera sur vous. Et je voudrais dire à tous ceux qui sont en Europe, je serai en Europe. J'ai un grand programme là-bas. Nuit de prière le 13 septembre. Et culte des familles, de consécration des familles, le 15 septembre, je pense que ça, je vais encore préciser les dates. Donc, il faut savoir que nous serons là, nous serons à Paris, sera à Paris, et la fidélité de Dieu sera ton bouclier. Dieu se manifestera puissamment. Passez l'annonce autour de vous. Dites-le à tout le monde. Dites que le prophète Ferdinand Kane sera à Paris. Nous serons là. L'Europe va bouger, mes amis. Je viens avec un manteau redoutable. La fidélité de Dieu sera notre bouclier. La clé, là, j'ai mis. Fidélité de Dieu sera notre bouclier. Hein? Donc, bien-aimé, Dieu est fidèle. I'm coming. Dites à tous mes enfants d'Europe que j'arrive. I'm coming. I'm on my way. I'm coming. Regarde mon sac, là. Arnaud est parti. Il est parti pourquoi? Hein? Dites à Paris que j'arrive. On arrive. La gloire de Dieu sera forte. Je vous assure, la puissance de Dieu sera redoutable en Europe. Le tout aussi sera grave. Il sera très grave. Et il faut aussi dire à tout le monde, à tous ceux qui me suivent, dans d'autres nations d'Europe, je serai là en Belgique. On va être en Belgique par la grâce de Dieu. On va bouger l'Europe dans tous les cas. Dieu se manifestera avec puissance. Il est souverain, notre Dieu. Donc, bien-aimés, mobilisons-nous comme un seul homme. Hein? Mobilisons-nous comme un seul homme. Regarde, dis-lui de regarder la clé, là, ouvre un peu ma chambre. Mobilisons-nous comme un seul homme. Dieu se glorifiera puissamment dans ta vie, dans ta famille.
Mon ami, il n'y a rien comme Jésus. Ça fait des mois que je ne suis pas arrivé là-bas, mais le Seigneur permettra. C'est à la Lune d'Or, la salle appelée la Lune d'Or, 20 avenue des Courtes Épluches, 9100 Villa B. Ok, c'est bon, ça va. Ça a pris le relève le wifi à la maison. Donc, bien aimé, la main de Dieu sera forte. Elle sera puissante en Europe. Je vous dis la vérité. Donc, passez l'annonce, préparons-nous. Nous sommes déjà à nous. Donc, c'est le mois prochain. Le mois prochain, je serai à Paris. Armand, l'art au vendredi, le 13, vendredi. Le 13, c'est un vendredi, n'est-ce pas? Vérifiez un peu. Le 13 septembre. Donc, nous aurons la nuit de prière. Hein? Attendez. Nuit de prière, vendredi, voilà, le 13 septembre. Et le culte des familles, et de consécration des familles, c'est le 15 septembre, à partir de 10h, à la Lune d'Or, à partir de 10h. Je voudrais dire tout simplement à tous ceux qui me suivent, qui sont en Europe, passez l'annonce autour de vous, c'est très confirmé, le prophète Kané Ferdinand sera en Europe, je serai à Paris. Note-le dans ton agenda déjà. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Angleterre, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Belgique, que tu sois en Suisse, que tu sois n'importe où de ce côté-là de l'océan, même au, bon, j'ai déjà parlé des États-Unis, je vous en prie, notez ça dans votre agenda. La tournée européenne, l'Europe va bouger. Les fondements de l'enfer vont bouger. Et je veux rassurer tous ceux qui se déplaceront pour ce programme, qui ne se déplaceront point en vain. Vendredi 13 septembre, c'est la nuit des flammes, la nuit des prophètes, la nuit de la prophétie, la nuit de la turbulence prophétique. À partir de 21h, la salle appelée la Lune d'Or, 9100 Villa B. Hein? 20 rue des Courtes Épluches, 9100 Villa B. Ne manque pas. Mets ça dans ton agenda. Paris va bouger. L'Europe va bouger. N'accepte pas que le diable t'empêche de venir à ce rendez-vous. Je t'en prie. N'accepte pas. Dis au diable qu'il est menteur. Les idées qui vont venir dans ta tête que non, j'irai prochainement, ou les choses qu'on t'a mises dans la tête, que c'est un faux prophète, c'est le montage, je veux t'encourager à venir vérifier. Si on te parle mal d'une personne, rapproche-toi quand même de la personne, prends cette peine et vois qui sait. Si j'ai pas un message de salut pour toi, et je suis convaincu que ton problème trouvera une solution ce vendredi 13 septembre à partir de 21h à la Lune d'Or, 20 avenue des Courtes Épluches, 9100 Villa B. Et dimanche le 13 septembre, ne manque pas. Ne dis pas non, j'ai fait la nuit de prière, donc je ne viendrai pas le dimanche. Mon ami, c'est la consécration des familles. Ne rentre pas dans ton pays sans t'être présenté devant l'Éternel ton Dieu. Pour être consacré à l'Éternel ton Dieu. Donc Dieu se manifestera puissamment. Et je suis en train de travailler avec la commandante de notre brigade, Angeline, pour essayer de mettre sur pied tous ceux de mes enfants qui croient mon ministère et qui sont sous le manteau que je porte. Oh mon Dieu. Parce que je n'ai pas eu l'occasion d'organiser les dîmes en Europe là-bas. On va s'organiser. Il y aura un forum que nous ferons pour tous mes enfants d'Europe et de la diaspora qui vont s'inscrire, qui diront, nous donnons nos offrandes à la congrégation baptiste camerounaise, la paroisse Rema Ministry Mission. Voilà, si Dieu t'a mis à cœur d'être membre de cette église, de ce ministère, de ce mouvement prophétique, quand je viendrai, on va organiser cela. Il y aura un forum pour tous les membres de la diaspora. Ce sera un forum où au moins une fois par mois ou deux fois par mois, j'aurai un direct sur Zoom où je vais parler avec vous, bien sur WhatsApp. On verra tous ceux qui sont inscrits. On va bien organiser ça et Angeline et son équipe vont bien organiser cela pour permettre à tous ceux qui sont membres de cette commission, mais comme on n'a pas encore d'église, mais qui veulent s'affilier en direct, je les suivrai. Ça veut dire que par mois, on aura des cultes avec eux. Ceux qui sont inscrits, le lien leur sera partagé, ils se connecteront. Ceux qui diront non, mes offrandes, mes dîmes, je vais les donner à ce ministère, au ministère Rema. Alors toutes ces personnes-là, dans le monde entier, je dis encore dans le monde entier, et surtout ceux de la diaspora, on va ouvrir un forum pour vous. Vous allez vous inscrire tout simplement, le numéro sera donné. On va bien organiser cela. Voilà, et comme ça,
On pourra vous suivre, je pourrais vous suivre personnellement, à distance comme ça. Avec les réseaux sociaux, vous savez, aujourd'hui, on peut vivre comme si on était ensemble. Dieu nous aidera et il nous aidera à mieux organiser cela pour que les gens ne se sentent pas orphelins. Voilà, comme ça, même si je ne vais pas en Europe, on aura quand même l'église sur Internet, comme si c'est vraiment un culte. On va faire le culte de A à Z, juste sur Zoom, avec cela, ou bien sur groupe WhatsApp. On donnera un groupe WhatsApp, on va donner le lien, vous connectez tout simplement, et puis voilà, on va lancer le culte comme ça. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dans tous les cas, je porte beaucoup à cœur sur la diaspora. C'est vrai que les brebis sont dispersées dans toutes les nations d'Europe, d'Amérique, etc. Mais on va vous unir par la grâce de Dieu. Même ceux qui sont aux Émirats Arabes Unis, ceux qui sont à Abu Dhabi, ceux qui sont à Dubaï, on va vous mettre dans un forum, vous serez suivis. Voilà, je vais suivre vos problèmes personnellement et Dieu nous aidera à aller très loin avec lui. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc ne manque pas, ce dimanche 4 août à partir de 8h à la bille, c'est à Yaoundé du côté de Nkouaban. Quand je parle de Nkouaban, dis simplement qu'on vous amène à la bille et Dieu vous bénira. Et ce vendredi, tout à l'heure à 17h, nous serons rassemblés à la bille pour atmosphère de miracle. Connectons-nous très nombreux. Donc à partir de maintenant, et pendant les directs qui viendront, je pourrais vous donner déjà le numéro pour l'inscription. Je veux qu'on s'avance, Angeline, tout à l'heure. Et on va voir comment organiser cela. Le numéro, je vous le donnerai. Et ceux qui veulent être membres de ce ministère, tu sens que Dieu te marque d'être membre de ce ministère et que tu veux donner ta dîme à ce ministère ou tes offrandes à ce ministère, alors on va vous donner le numéro. Tu vas t'inscrire tout simplement. Et en inbox, on vous donnera les liens. Voilà, et je vous dirai quoi faire. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Alors, rendez-vous tout à l'heure 17h, dimanche 4 août, à la Bible et dans toutes nos églises dans le monde entier. Shalom, shalom, shalom.